Vous êtes les premiers à le voir. Hein. Avec les cloches. Sans donner de chiffres, mais est-ce qu'on peut dire que ça peut être une vente multimillionnaire ? Pas écrit modeste, mais voyez ce que je veux dire. Et comment l'avait-il ? Ce tableau des frères Lenain, qui a été peint dans les années 1640, alors que Louis XIV vient juste de naître, il est tout enfant, représente le Christ enfant en train de méditer sur la croix. Et c'est un tableau qui était inconnu, personne n'avait jamais entendu parler de ce tableau, personne ne l'avait jamais vu. Un tableau qui est inédit parce que c'est la première fois qu'on montre cet enfant, Jésus, à l'âge de raison, accepter ce destin qui est le sien, et puis avec une grande sérénité. Et c'est un tableau qui est incontournable pour la connaissance de ces grands maîtres français de la peinture. Picasso lui-même avait un Lenain dans ses collections. Il y a un seul journaliste qui, quand je lui ai donné cette carte, m'a dit que vous avez fait un spécial Lenain. On a mis 2 mois avant de s'en rendre compte, mais l'ont réalisé. C'est un tableau de dévotion privée. Ce n'est pas un tableau qui est fait pour un musée, pour une église. Donc ce tableau pourrait avoir plusieurs destinations. Un musée qui s'y intéresse, mais aussi un collectionneur, et je suis en discussion avec des collectionneurs, qui voudraient prolonger le temps de silence, de spiritualité que ce tableau continue de porter au bout de 3 siècles et demi.